La Banque mondiale vient de renforcer les caisses du Sénégal avec un financement de 300 millions de dollars. À travers une signature de convention, la Banque mondiale apporte ainsi son soutien au pays de la Teranga en cette période marquée par la crise en Russie-Ukraine. Un financement de politique de développement pour une relance durable et équitable d'un montant de 300 millions de dollars. À travers cet accord de financement, la Banque mondiale soutient un programme gouvernemental de réformes structurelles pour une croissance équitable et résiliente en abordant les principales contraintes au développement de capital humain, à la viabilité budgétaire et les participations du secteur privé à l'économie sénégalaise. Cet appui budgétaire est destiné dans une première phase à soutenir les ménages touchés par cette crise. Cet appui budgétaire arrive à bonne heure et permettra au gouvernement d'amortir l'effet de multiples chocs exogènes auxquelles les populations les plus vulnérables font face depuis plus de 3 mois maintenant. Faciliteront une croissance équitable et renforcement durable, la résilience des ménages, des entreprises et des finances publiques. Il vise aussi à renforcer les finances publiques et à soutenir le secteur privé du Sénégal. L'ampleur du financement vient aussi témoigner de la volonté de consolider la stabilité des finances publiques et encourager la participation du secteur privé à la création d'emplois soutenus par un secteur de l'énergie plus compétitif et une plus grande connectivité numérique. Le Sénégal traverse ces derniers temps une conjoncture qui impacte négativement les ménages. Ce financement vient ainsi à point nommé pour soulager leurs difficultés.